tu n'es pas là. Ben oui, c'est vrai. Et puis, il manque aussi Romain. Non, Romain, je l'ai vu. Il est encore au WC. Oh! Il va être en retard. Le maître, il n'aime pas ça. Ça se trouve, il est dans une autre classe. C'est ça. Il oublie que de ses mains, peut-être. On ne sait jamais. Les pertes de mémoire, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai, moi, ma grand-mère, quand il... Oh, oui, bon, d'accord. Si on commence à se raconter nos histoires de famille, on va pas avancer beaucoup. Dis, Coco Lapin, Mathieu, t'as pas une idée où il se trouve? C'est ça, Boud ne nous répond pas, surtout. Tout de suite, parce que figure-toi qu'ici, là-dedans, il y a des rats gros comme ça. C'est vrai, même gros comme ça. Oui, encore des enfants qui regardent trop la télé. Bon, mais vous vous rendez compte, gros comme ça. C'est carrément Jurassic Park ici. Gros comme ça, à la rigueur, et encore... Oh, tu les as pas vus d'abord, tu peux pas dire. Et toi, tu les as vus, les rats qui sont derrière cette porte? Non, mais on me l'a dit. Chut, écoutez, je les entends gratter. Ah, très drôle. Regardez. Mathieu, qu'est-ce que tu fais là-haut? Comment t'as fait pour monter tout seul? C'est impossible! Mais réponds! Je viens de vivre une aventure extraordinaire! Tu vas monter et tu te retrouves sur le toit? Te fiche pas de nous! Non, je ne suis pas montée, on vient de me déposer! Quoi? Comment? Vous m'expliquerez, de toute façon, vous n'allez pas me croire! Maintenant, tu nous expliques! Sinon, on te remonte là-haut de force! D'accord, je vous dis tout, mais on sait, on te croira pas, mais dépêche-toi, raconte quand même. Eh bien, je viens d'être enlevé. Je viens d'être enlevé par des extraterrestres. N'importe quoi! Pourquoi pas des extraterrestres pour me tuer? D'accord, lui, il a tout compris. Non, mais c'est vrai, j'ai été enlevé par des extraterrestres. Ils viennent de me ramener là, à l'instant, dans leur soucoupe, après un voyage vers leur galaxie. Je savais que vous ne me croiriez pas. C'est bon pour les bébés, l'histoire d'extraterrestres. Tu peux pas nous faire croire ça. Ils étaient comment, les extraterrestres qui t'ont enlevé? Attendez, j'ai une preuve. Voyez cette cassette. Ce sont les extraterrestres. C'est un message qu'ils m'ont laissé. Venez, on va l'écouter. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais c'est dingue! Bonjour, nous venons d'enlever momentanément votre camarade Mathieu. Il vient de faire un voyage intergalactique. Dans un jour, nous reviendrons parmi vous et emmènerons un autre enfant. À bientôt! Ça alors! Dis-nous au moins comment c'était là-bas! Mais oui! C'était super! C'est moi, j'avais encore besoin d'aller aux toilettes. C'est malin.